Salut à tous les phénomènes, ici c'est PhenomeFly, bienvenue aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Hogwarts Legacy. Oh yeah. Alors les amis, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de notre aventure de sorcier. Alors au programme, comme vous pouvez le voir, on va aller s'entretenir avec Ollivander concernant la baguette magique. Et oui, rappelez-vous que dans l'épisode précédent, on s'était occupé des vivets et des autres quêtes secondaires. Et là maintenant, on va aller voir Monsieur Gerald Ollivander dans sa boutique pour savoir s'il peut fabriquer la baguette du gardien avec les artefacts obtenus lors des épreuves. Rappelez-vous que nous avions fait 4 épreuves que nous avons brillamment réussi avec les gardiens. Et donc là ici, maintenant, on va fabriquer la baguette ultime. Et donc c'est ce qu'on va faire là maintenant aujourd'hui. Après on verra après ce qu'il en sera, est-ce qu'il y aura d'autres choses à faire, je ne sais pas. En tout cas, on va déjà commencer par ça. Alors bien évidemment les amis, comme d'habitude vous connaissez les bails, n'hésitez pas, si vous aimez la série ou que vous avez envie de me soutenir, voire même les deux, c'est encore mieux, n'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus, vous abonner, commenter, partager la vidéo et c'est tout ça, gros big up à vous, merci déjà du fond du cœur pour votre soutien. Et sur ce, trêve de blabla, allons voir donc Monsieur Ollivander. Bonjour Monsieur Ollivander. Je me demandais si vous pouviez m'aider pour quelque chose. Je suis content de vous revoir, jeune Sir Daigle. Permettez-moi encore une fois de vous exprimer toute la gratitude de mes proches. Ils étaient ravis d'apprendre que la baguette avec laquelle Richard Chouka avait disparu il y a plusieurs années avait été retrouvée, même si elle n'était plus vraiment utilisable. Eh bien, tant mieux. J'ai reçu un hibou d'Eléazar. Enfin, du professeur Fig. Il ne m'a pas dit grand-chose, simplement que vous aviez besoin d'une baguette spéciale et que vous m'apporteriez les matériaux nécessaires. Oui, monsieur, je les ai avec moi. Ah, mince, c'est extraordinaire. Quelle conception remarquable. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais fabriqué une baguette de cette manière. J'ai l'habitude de réparer des baguettes cassées, mais là, c'est une autre histoire. C'est un sacré défi que vous me lancez là. Je pense pouvoir faire quelque chose avec ce que vous m'avez apporté. Laissez-moi regarder ça. La voilà. Je préfère vous le dire, je n'ai jamais vu une baguette comme celle-là avant. Et je soupçonne, comme l'insinuait le professeur Fig dans sa lettre, qu'elle sert à un objectif bien précis. Je doute qu'elle vous soit très utile pour autre chose. Je comprends. Merci, monsieur. J'ai bien peur qu'il n'y ait personne d'autre. J'ai fait en sorte qu'on puisse avoir un moment rien qu'à nous. Allons, allons. Pas besoin de réagir ainsi. Compte tenu de ce que Ranrock sait désormais, tu dois convenir que nos intérêts convergent. Nos intérêts ne seront jamais alignés. Tu laisserais les gobelins prendre ce qui nous revient de droit. Le dernier dépôt est la propriété des sorciers. Il faut absolument unir nos forces. Qu'est-ce que tu as là?
cette visite impromptue chez le fabricant de baguettes aurait-elle un rapport avec notre recherche? Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Ce précieux dépôt me revient de droit! Charles Rockwood n'aurait jamais accepté une telle chose. Quelle arrogance! J'aurais dû savoir que l'on ne raisonne pas avec un enfant. J'ai toujours dit que les enfants doivent être vus et non entendus. Waouh, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que je suis? Hop là. Tu vas le regretter. Comment oses-tu? Hop là. Avala cadavre. Mais sans Dolores. Il fallait faire une bêtise. Ça finira mal pour toi. Qu'est-ce que tu fais dans le... On te laisse. Ok, il m'en reste un. Qui est là? Ah, puissance! Rockwood. Pour ça. Allez, ça va aller, on va tenir. Tu vas le regretter. Je m'ennuie, l'amour. Bombarda, bien senti. Ok. Ok, ok, on s'écarte un peu. Ok, pour le moment, on gère bien. Ouf, ça, ça fait mal par contre. Ok, toi tu m'ennuies, voilà. Allez, ça va le faire. Tu veux quoi toi? Hop là. Bon, attendez, on va y arriver. Il y a tellement, c'est infernal. Ah.
Hop, un petit coup d'impero là. Trois coudes est décédé. Wouh! Eh ben, et donc, c'est chaud. Allez! Tu as quand même ma puissance, Rockwood! C'est terminé! Terminé! On a vaincu Rockwood. Oh la puissance! J'arrive pas à y croire. Le règne de Rockwood est enfin terminé. Terminé. Eh ouais, on l'a vaincu. Mais dans l'immédiat, je ferais mieux de retourner à la salle de la carte pour tout raconter à Fig. Exactement. Fouh! Eh ben, quel combat! T'es pas sans peine, hein? C'était vraiment. Vraiment pas sans peine. C'était chaud! Heureusement, on est arrivé au bout, les amis. Je crois que j'ai plus de place pour les trucs, ça c'est ennuyant. Est-ce qu'il y a encore des trucs que je devrais prendre? Ouais, là, ici. On va prendre ça. Voilà, impeccable. Impeccable tout ça. Alors, en tout cas, Rockwood, son rôle est terminé. Il est tranquille. Donc maintenant, les amis... Ah, je vois qu'il y a un petit dernier ici. Allez, hop là, couché. Bon, allez, les amis, je fais une coupure. Et je vous retrouve dès qu'on est revenu pour la suite de la quête. A tout de suite. Victor Rockwood est mort. Il m'a attaqué alors que je quittais Ollivander avec la baguette du gardien. J'ai dû me défendre. Par la barbe de Godric! Tout va bien? Je savais que vous pouviez vous défendre, je l'ai souvent vu, mais contre Rockwood en personne? Il m'aurait tué après avoir trouvé le dépôt. Peut-être même avant, je n'avais pas d'autre choix. Vous avez raison, vous n'aviez pas le choix. Vous avez fait ce qu'il fallait. Le monde des sorciers vous est redevable. C'est rassurant de vous l'entendre dire, professeur. Je suis prêt pour la suite. Très bien. Les gardiens vous attendent. Vous avez accompli toutes nos épreuves, et dans des circonstances que je n'aurais su prévoir. Vous comprenez maintenant pourquoi tout cela était nécessaire. Le porte au loin, le coffre, le médaillon, le livre, les épreuves. Nous avions besoin de nous assurer que ceux qui partagent nos capacités fassent le même choix que San, Niam, Charles et moi-même. Maintenant que vous avez été témoin de mes souvenirs, vous comprenez tout ce qui est en jeu. Les gens ne sont pas toujours qui ils semblent être. Mais comme vous le savez, sans lumière, point d'ombre, et sans ombre, point de lumière. Ce n'est pas parce qu'on peut éliminer les ténèbres qu'on doit le faire. Même les sorciers les plus compétents et les mieux intentionnés ne peuvent imaginer les conséquences qu'entraînerait la manipulation de ce qui devrait être hors de notre portée. Ce qui se trouve dans le dépôt ne doit jamais être libéré. Résistez à la tentation de le détruire ou de le contrôler. La magie que vous avez si soigneusement perfectionnée ne doit être utilisée que pour protéger le secret que nous gardons. Vous êtes en possession de la baguette. Vous saurez quand l'utiliser. Notre héritage est désormais entre vos mains. Fascinant. Le dépôt doit sûrement se trouver par là. Viens me voir au plus vite.
J'ai reçu un hibou intéressant de Johanna Bickle au sujet d'Arlo. J'espère vraiment que nous n'arrivons pas trop tard et que derrière cette porte nous attend un dépôt intact. Bon, eh bien les amis, ça sent la quête finale bientôt. On va regarder le journal des quêtes, mais il me semble que c'est ça. Défendre Poudlard de Ranrock. Et après, il y a deux autres quêtes là ici. La dernière bataille de Arlo et l'épanouissement de Poppy. Ok. Alors, lisons un petit peu tout ce qu'il y a ici. Alors, Poppy et moi avons vaincu les braconniers et sauvé les vivets. Je me demande comment elle se sent. Je devrais aller la rejoindre dans la grande salle pour lui parler. Ok. Et enfin, la dernière bataille de Arlo. Nati m'a envoyé un message me demandant de la rejoindre après, près de la pointe du manoir. C'est loin de Poudlard. Elle doit avoir une piste sérieuse au sujet de Arlo. Je devrais me préparer avant d'y aller. Ok. Eh ben, on va aller au dernier dépôt, les amis. C'est peut-être déjà la fin en plus de notre let's play. Mais je pense pas. On verra bien. On va aller là. Et de toute façon, après, ben, on fera la quête finale. On y va alors. C'est parti. On y va. Entrons dans les grottes des gardiens. C'est parti. Le dernier dépôt. Est-ce que ça va être la bataille finale ou pas? On va le savoir. Si c'est le cas, de toute façon, au pire, c'est pas grave. On fera les deux autres quêtes aussi, hein, de toute façon. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai hâte d'y être. J'ai très très hâte d'y être. Et je me demande ce que nous réserve ce dernier dépôt. Mais imaginez si on doit se battre contre Lockdock, ça va être quelque chose. Oh là là, les amis, je suis tout sueur. Imaginez que ça soit ça. Imaginez que ce soit juste ça. Ça serait juste incroyable. On y est. Se rendre au dépôt. J'espère que les enchantements qui protègent le château fonctionneront aussi contre une attaque souterraine. Je crains que non. Mais si ce n'est pas encore le cas, ça ne tardera pas. Avez-vous contacté le professeur Weasley? Oui. Avec un peu de chance, elle et les autres ne tarderont pas à arriver. Ils savent trouver la porte que nous avons empruntée. Exactement. Puis bon, faut dire que c'est l'une des quêtes les plus importantes, je veux dire. Tout Poudlard étant... Je... Oh là là! Regardez, les gobelins! Ils sont là! Les gobelins sont là! Allez, on n'a pas de temps à perdre, les amis. C'est parti! Il faut arrêter les fidèles gobelins. Si ces fidèles sont ici, ils ne doivent pas être bien loin. Exactement, professeur Fig. Non, pas de temps à perdre. Avala Kedavra. Ouais, Ranrock doit être dans le coin, exactement. Allez, vas-y. Allons-y, professeur. Sauvons Poudlard, ensemble. What? Oh, il y en a deux. Oh, attention. Thank you.
Allez, on est presque. Ouf, ouais, je veux pas faire protéger ou contre eux, c'est juste. Allez, on va y arriver, les petits gars. Allez, la puissance. Allez. Professeur. Fou. Ouais, c'est par ici. En avant. On y va, professeur. Non, il doit pas être très loin. Allez, professeur. On ne peut rien faire d'autre que poursuivre les recherches. Par contre, je vais permuter une pause sur les virus. Allez, professeur. Où ils sont tous là? Toi, tu m'énerves. Voilà. Couché. Était de cette mis là-haut. Voilà. Non, c'est clair. Ouh. C'était chaud, hein, quand même. Par contre, là, j'ai plus de potions et du russe. J'aurais dû en faire plus, c'est pas grave. Voilà. Allez, par ici. Par ici, professeur. Oh là là, c'est incroyable, les amis, ce final. Oh là là. Ouh, il y a du monde là-dedans. Oh, oh là là, le monde qu'il y a. Ah, ça va, les professeurs sont là pour nous donner un coup de main. Heureusement qu'ils sont là. Professeur Ronen, ça faisait longtemps. Ah, et le directeur. Même professeur Weasley. Les gobelins ont réussi à traverser les charmes défensifs du château. Menez-les par là. Nous allons bien nous occuper d'eux. Ah. Ils tiendront. Allons-y les amis. Chargez. Tirera pas. Regarde.
Bien joué, professeur. Ouh là là, du gros. Avada Kedavra. Wow. Voilà, bon, au moins là il est endormi. Moi je peux ramasser ça tranquille. Bon, par contre ça va être très long. Faut attendre qu'il désenchante un peu. Et voilà. Et hop là, terminé. Heureusement que nous sommes arrivés avant Ranrok. Je n'arrive pas à y croire. Dire que le dépôt se trouvait sous le château depuis des siècles. Quand on pense à toute la souffrance qu'il a engendrée, et c'est pour cela que Myriam, George, votre ami Lodgok et bien d'autres sont morts. Myriam pensait que cette magie oubliée pouvait être utilisée pour faire le bien. Mais elle ignorait les risques. Elle n'a pas vu ce que les gardiens vous ont montré, ce qu'Isidora vous a montré. Vous êtes désormais responsable du pouvoir de ce secret. Quel usage pensez-vous en faire? Je ne prévois pas de toucher au dépôt. Je suis ravi de l'entendre. J'ai bien réfléchi. Oui, professeur. J'ai passé l'année à essayer de cacher notre voyage à tout le monde, y compris au professeur Weasley. Mais aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû lui en parler, leur en parler plutôt. J'aurais dû leur faire confiance. Les gardiens voulaient que ce secret soit enfermé pour toujours. Combien de temps le garderez-vous ? Les gardiens avaient raison. Utiliser cette magie est bien trop risqué. Elle doit être contenue à jamais. Je comprends. Et vous n'êtes pas seul. Je ferai tout mon possible pour vous aider.
l'arrogance sans borne des sorciers. Les gobelins ont construit ce bâtiment. C'est notre propriété. Assez, Ranrok. Il n'est pas à vous. J'avais bien envie de jouer avec ceci. La baguette de Myriam. Si elle leur avait juste donné le réceptacle, tout cela aurait pu être évité. Une sorcière trop fière et imprudente. Vous alliez si bien ensemble. Elle non plus n'a pas su s'avouer par un cul. Thank you.
Thank you.
professeur. Ah, Myriam. Ah. Myriam, vous aurez adoré mon enfant. Le monde des sorciers ne pourrait être entre de meilleures mains. Professeur Eleazar Figg, je présume qu'il était très apprécié de nombre d'entre vous. C'était un collègue de longue date pour ses pairs. Son goût pour l'aventure et sa soif de connaissances lui ont valu la réputation de foncer dans l'inconnu, souvent au mépris du danger et sans aucun discernement. Ce qui a eu au moins le mérite de nous donner une leçon à tous. Sa grande passion pour l'aventure ne pouvait être égalé que par son dévouement envers Poudlard et envers sa femme, Marie, Myriam, qui nous a quittés trop tôt également. Oui. Oui. Le professeur Figg représentait le meilleur en chacun de nous. Oh, il avait un esprit tellement acéré. C'était un homme très brillant, qui aimait faire des découvertes, et il était d'une loyauté sans faille. Mais c'est sans doute grâce à son incroyable courage que son souvenir restera jamais gravé dans nos cœurs. Car sans le professeur Figg, eh bien, je crois pouvoir affirmer que sans cet homme, nombre d'entre nous, et cette école également, ne seraient plus là aujourd'hui. Ceux qui le connaissaient le mieux savent que nous devons maintenant l'honorer comme seul Poudlard peut le faire, en affrontant avec sagacité, bonté et courage toutes les épreuves qui nous attendent. Ô professeur Figg, j'arrive pas à croire que nous avons perdu Figg. Je le connaissais pas aussi bien que toi, mais c'était un homme bien. Je suis content que Weasley ait rendu hommage à Figg. On se souviendra de lui, en bien. J'aurais aimé que la même chose soit faite pour mon oncle. Je me demande s'il y a une chance que Anne accepte de me voir. Sébastien, je ne peux pas imaginer ce que toi et Anne traversaient. Peut-être que tu auras bientôt de ses nouvelles. Je l'espère, et je te le ferai savoir. Sébastien, il faut que tu saches quelque chose. C'est à propos de Victor Rockwood. J'ai entendu dire que vous vous étiez affronté près de chez Ollivander. Ça a été un sacré combat, apparemment. C'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas tout. Juste avant que Rockwood n'attaque, il a dit quelque chose. Les mêmes mots qu'Anne a entendus avant de recevoir un mauvais sort. Les enfants doivent être vus et non entendus. Attends, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas un des fidèles de Ranrock qui a jeté un mauvais sort à Anne. C'était Rockwood. Tout est sa faute depuis le début. C'est impossible. Tout est de la faute des fidèles. La nuit où Anne a reçu ce mauvais sort, on n'a vu que des gobelins. Quand Rockwood s'est allié à Ranrock, ils se sont tous les deux intéressés au domaine d'Isidora. C'est pour cette raison que Rockwood était là la nuit où Anne a été maudite. Il travaillait avec Ranrock. Quand il a vu ta sœur, eh
bien, il ne voulait pas que quelqu'un le sache. Alors il lui a lancé un mauvais sort. Elle n'a plus jamais été la même. C'est si cruel. Rockwood n'a eu que ce qu'il méritait. Merci de me l'avoir dit. Ce n'était pas un gobelin. Je te dois des excuses. J'ai longtemps cru que les gobelins étaient nos ennemis. Mais ce n'était pas si simple. Ominis a parlé à Anne. Je me demande si elle me parlera. Je vais aller voir et je te préviendrai quand j'en saurai plus. Waouh, quel final épique. Et bah ça y est les amis, c'est fait. On a terminé l'histoire. J'en reviens pas. En tout cas c'était épique. D'ailleurs à un moment donné j'ai dû me taire parce que fallait que je me concentre à fond. Et puis bah en même temps vous avez pu profiter de l'ambiance, mais franchement c'était magnifique. Félicitations, vous avez conclu l'histoire principale de Hogwarts Legacy. L'héritage de Poudlard est ainsi complété pour votre année scolaire. Vos épreuves de buse approchent à grands pas. Explorez le monde autour de vous, terminez les quêtes annexes et d'amitié restantes afin de compléter votre guide du sorcier. Ah, donc c'est pas encore terminé. C'est pas tout à fait terminé. Donc là, on a fini l'histoire principale. Mais il y a encore des choses à faire. Ah bah c'est bien. C'est chouette. On va regarder d'ailleurs ce qu'on va devoir faire. Alors, dans les quêtes, qu'est-ce qu'on a? La dernière bataille de Harlow. Et l'épanouissement de Poppy. Ok. Donc on aura deux petits épisodes bonus, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que bah, l'histoire continue en fait. Ah bah c'est chouette. C'est vraiment chouette. En tout cas le final était incroyable. Je suis encore sans voix, c'est... C'était magnifique. Bon. Et bah les amis. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sur ce final juste magnifique. Et... Bah écoutez, on se retrouve dès la semaine prochaine finalement. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Et qui sait, peut-être bientôt la fin. Ouais, il fallait que je sois interrompu pendant l'outro. Merci Sébastien de toujours m'interrompre pendant l'outro. Hein. C'est terrible chez toi. Ça devient une habitude. Bon bah les amis, allez, sur ce je vous laisse. N'hésitez pas à me laisser un maximum de pouces bleus. Commentez, partagez, je vous fais confiance. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas louper la suite de mes aventures et les autres contenus, que ce soit Urbex, Gaming, Courts-métrages et autres déconnades. Et un grand merci pour votre soutien. Et sur ce, eh ben je vous retrouve dès la semaine prochaine, même heure, pour la suite de votre aventure sur Hogwarts Legacy. Ciao, ciao. Portez-vous bien. N'oubliez pas que vous êtes phénoménaux et que je vous surkiffe. Oh, yeah.